Mais tu sais, c'était Bocuse. Bocuse, il a fait des fêtes incroyables. Et moi, je suis un peu comme pareil. Il s'essayait jamais, Bocuse. Il était nulle part, mais il était là. Et il organisait tout. Et ce qui est joli aussi, c'est de rencontrer un chef comme Pierre Gagnère là, tu vois. Sinon, j'oserais pas aller en cuisine. C'est-à-dire d'être un maître et puis un type qui a l'air d'être un bon copain. Allez, ben voilà, il est intimidé, cette tête de... C'est le meilleur, ça tient. Quel est votre support? Le mec. Hein? Hop. Meilleur. On s'aime bien, hein? On s'aime bien. Il m'a mis des haricoles. Ça m'avait marqué. La seule fois où j'avais été premier gastro de ma vie, gastronomie, on avait fait un dîner à l'honneur d'haricots et j'avais choisi Pierre Gagnère parce qu'il était de la même région du Forez que moi. Il y a 22 ans, je démarrais. D'haricots, il avait apporté une mini. Je l'avais peut-être jamais su parce qu'il était de la génération, ils avaient leur apéro à eux. Il avait une petite bouteille berger de pastis berger. Ah oui, il s'était fait son petit pastis berger. Tu vois les pastis berger qu'il a plus. J'ai pas vu ça.